Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Tour de France 2016, cette troisième étape entre Granville et Angers, 221 km, étape de plaine avec du vent nul. On va essayer de faire une bonne étape F5 du Moulin. Et voilà une des plus longues étapes de ce Tour de France, je pense, avec 221 km qui séparent Granville de Angers. Greipel, Kittel et Christophe, les favoris de cette étape avec Sam Dumoulin. On va quand même essayer d'aller les détrôner, même si ça va y être difficile, on le sait. Et puis, du coup, j'espère que ce troisième épisode vous plaira. On attend. On va prendre Sam Dumoulin. Mesdames et messieurs, il est troisième au général à 5 secondes, Sam Dumoulin. Pour cette étape, nous devrions assister à un scénario des plus classiques. Une échappée matinale qui tentera de résister au peloton emmené par les équipes de sprinteurs. Et oui, aussi, on est maillot à poids avec notre coéquipier Davide Pozzovivo qui est maillot à poids avec nous aussi. Il est maillot à poids. Ah non, je me suis trompé. Bon les gars, le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui, mais attention, ça risque d'être nerveux. Restez bien placé. Et on se retrouve pour le sprint intermédiaire. Cette vidéo, cette étape va pas y être très 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 longue. Et voilà, à 8,4 km du sprint intermédiaire avec Sam Dumoulin. J'espère qu'on va pouvoir prendre le plus de points possible pour Sam Dumoulin, Alaphilippe, De Gendt, Martine, qui sont là. Les sprinteurs ne se mettent pas. Il y a Sagan qui s'est mis. Sagan, maillot jaune de ce Tour de France pour l'instant. André Greipel, le champion d'Allemagne, qui est ici à notre gauche. Markov qui a fait l'échappée solitaire qui prend les 20 points. L'échappée solitaire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de points à prendre pour le sprinter. Sam Dumoulin qui est troisième en général, à 5 secondes du premier. Ça peut y être une bonne opération hein, sur cette étape, si on arrive à faire une bonne opération. Voilà. Enberg, on est presque au sprint. Il va falloir qu'on se gère si on veut essayer. L'arrivée est un peu en côte, j'ai remarqué, sur ce profil. Si vous regardez le profil en bas à droite. C'est bien. Ça va bientôt commencer. Et c'est bon, le sprint est lancé. Ouh, on s'est totalement lassé. On s'est totalement fait lâcher. C'est totalement raté même, on peut dire. Sam Dumoulin qui prendra. Ah là là là. Que 8 points. C'est dommage. Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête de course. Et c'est bon, ça se fait rattraper et on se retrouve pour l'arrivée. Et voilà, 14,8 km de l'arrivée. Avec Sam Dumoulin, on va essayer vite de remonter parce que ça va, le tempo va s'accélérer en tête de course. L'échappée 44 secondes d'avance sur le peloton, elle va se faire rattraper, je pense. Sauf si le tempo s'arrête dans le peloton, c'est bon, on remonte. Galopin, Timo Hellems. Les équipiers de André Greipel qui roulent. Aussi les équipiers de Kittel. On va avoir aussi la dimension Tata, je pensais, qui va comme ça rouler pour son leader Mark Cavendish. Secondes d'avance pour la tête de course. 30 secondes d'avance à 10 km. Ouais, ça va être compliqué, oui, comme il dit. Michael Rogers pour Peter Sagan qui roule.
Je pense pas que Contador doit faire le boulot quand même. Il y a que Rogers qui fait le boulot hein, pour Sagan. Hein. Regroupement général. Pas beaucoup, hein. Tout va donc se jouer dans le C'est final. Bon, regroupement général. Bon, là, ça accélère de plus en plus devant. Merde. Je me rate tous les virages. C'est sûr que, hein. Pas aller très loin. Je crois que ça me rappelle un endroit, ce virage qu'avait eu là, dans, sur Tour de France 2015. Non, je me suis totalement trompée en fait. Je me suis trompée. Ah non, je passe pas. Désolé. Moi, je passe pas. Il m'a fait le signe pour que je passe, mais non. Plus que 5 km, on se dirige vers un sprint massif. Mais ça va tenir ma barre d'énergie. Tant galopin. Ou on se fait enfermer. On se fait enfermer. Les coureurs vont bientôt tourner à droite. Sam Dumoulin. Traverser la rivière l'amène. Il restera alors un virage à gauche avant d'aborder la ligne droite finale sur un peu plus d'un kilomètre. Attends, 2,3 km là. Là, ça va commencer. Arthur Vichot, le champion de France, qui va rouler pour Arnaud Démare. Le champion de France, il y a quelques jours, j'ai mis les vrais champions de France. Attention, le sprint qui peut commencer. Ouh, avec Sam Dumoulin, on est parti. On est parti, mais on s'est vraiment failé, on va dire. Ah, punaise, ça, c'est dommage. C'est dommage, Daniel Benatti va quand même finir 8e. De cette étape. J'espère qu'on va pouvoir reprendre du temps au maillot jaune, Peter Sagan. Enfin, non, je pense pas qu'on le reprend. Je pense qu'il finit devant. C'est dommage, mais voilà, c'est dommage. Mais c'était quand même une belle étape. On a encore maillot à poids avec Alexis Virmoz. C'est Cavendish qui finit derrière nous. De la dimension data, comme je l'avais dit. C'est bon. Attends, mais il est où là, Sagan? Sagan n'est pas là. Sagan, ah oui, c'est bon. Il est là. On est toujours troisième à 5 secondes. Et on se retrouve pour la quatrième étape de cette série. Peace!